Né le 14 janvier 1618 à Rouen, en Normandie, Guillaume Couture arrive en Nouvelle-France vers 1638. Habile charpentier pour les jésuites, il deviendra cependant un audacieux et remarquable explorateur. Je cultive ma terre, mais en 1657, on me demande encore de jouer un rôle de diplomate auprès des Hurons et des Iroquois. Je sers également d'interprète auprès de la nation des Onondagas. Et j'allais aussi apprendre que de grandes expéditions m'attendaient. Encore. Triste souvenir. Mon épouse Annemar décède à l'âge de 72 ans, le 15 janvier 1700. Mon tour est venu, le 4 avril 1701. Me voici de retour, sur la terre où j'ai bâti ma maison et fondé ma famille avec mon épouse Annemar. Le ruisseau est toujours là. C'est près de lui que tout a commencé à la pointe de Lévis.